Seule, abandonnée des autres, mais pas d'elle-même, elle regarde passer le train de la vie sans se donner le droit au voyage. Elle est là, posée sur le quai de la gare, comme un grain de beauté sur une joue. Elle regarde le grand défilé des existences d'un œil gourmand et apeuré. Pourquoi tant d'agitation, tant de faux-semblants? D'où leur vient ce regard de mort-vivant? Ces sourires plaqués sur le visage comme une grimace presque douloureuse. Bonjour, ça va? Elle n'a pas le temps de répondre. Non, ça ne va pas. L'autre est déjà loin. Elle ne pourra pas lui dire que la vie ne va pas bien dans ce monde. Elle saigne de toutes leurs blessures. Elle pleure toutes leurs larmes ravalées. Elle hurle leur indignation. Ainsi, croit-elle, tout ne sera pas perdu. Elle n'est qu'une enfant venue d'une étoile, ne comprenant rien au jeu mondain. Elle a offert son amour, sa lumière, mais personne n'en a voulu. Décide de repartir, sa tâche inaccomplie. C'est alors qu'un petit garçon lui sourit et lui offre une rose aux pétales pourpres. « Veux-tu être ma maman ? » dit-il. Un enfant vient de la choisir, qui la prend par la main et l'emmène loin de tout ce vacarme sur un chemin où l'amour invite à grandir.